Salut à tous, c'est Sigon, on se retrouve pour la suite des aventures de Far Cry 2. Et aujourd'hui, on se dirige vers le fort pour récupérer les documents que le partenaire du Miles Burn m'a demandé de faire. Et donc, je n'ai même pas encore regardé où c'était exactement. Ah! On va remonter sur Palapala, prendre le bus, et puis on va monter directement. On va même y retourner en bateau. Parce que le chemin, on n'a vraiment croisé personne. On était vraiment tranquille. On n'a pas eu de bagarre. La flotte est un peu plus tranquille. Enfin, un peu plus tranquille. C'est pas non plus. Allez, c'est parti. Que je fasse une fois du bateau de nuit. Là c'est vachement plaisant, mais je suis sûr de nuit c'est pas du tout pareil quoi. Ouais, le port c'était après le pont, c'est entre les deux ponts sur la droite. Voilà, nickel, parfait. Direction, c'est tout en haut à droite, on doit aller. À droite. Petite sauvegarde, pas de soucis. Donc on a une voiture, pas mal. Ce qu'on va faire, c'est aller déjà jusqu'à la planque. On va sauvegarder là-bas. Et puis on va se faire le fort, quoi. Je sais pas, c'est quand je l'entends fort, je me dis. C'est assez balèze comme mission. Après, je me demande si c'est pas le fort où on était déjà. Juste pour éviter le croisement. Vous êtes mort ou vous faites semblant? Ok. Bon. Merci pour le véhicule en tout cas. Ça fait plaisir. Voilà, c'est là. Sauvegarde. Sept heures? Ouais. On sera à la nuit. Enfin, le soleil va commencer à se coucher. Bien sûr, on sauvegarde toujours. Jamais oublié. Ça ne doit être un réflexe. Et ce, dans tous les jeux.
Voilà, et c'est parti pour la mission du fort. On va y aller de face au fort, hein. Wow. Je veux dire, on n'est pas des poules mouillées, on peut le faire. J'ai une CPS de FPS là, je sais pas pourquoi. Première fois que ça me le fait sur ce jeu. On m'a tiré dessus. Là, je t'ai repéré quoi. Comme si dans un été. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oh non, c'est lui, c'est ce psychopathe dont tout le monde parle. Oh. Ah bon. Comme ça qu'on parle de moi derrière mon dos. D'accord, bon. C'est pas vrai, j'ai rien de psychopathe pour que vous dites ça. N'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Mince, je viens de foutre le feu au fort et il faut que je récupère des documents en papier dedans. Bon. Genou fait de la merde. Comment ça envoie une fusée? Bon. Where is the document? Là-bas, ok, c'est parti. Dépêche-toi, dépêche-toi. Comme c'est long cette animation, c'est un truc de fou. On va monter. Quelque part là les documents. Bon c'est pas grave pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut? Ils essaient de le trouver. Merde, j'ai horreur de ça. C'est dans le monde comme ça qui vient étrancher la porte. Ferme-la un peu et reste en alerte. Hello! Hey, j'avais raison. Il avait raison. Bonjour, toi. Ah! Non, c'était là, mais. Parce que sûr que c'est là-dedans. Pour être sûr. Non, c'est pas ici. Ça doit être plus bas, peut-être. Déjà récupéré.
Ah! Donc là, elle était bien planquée. Et maintenant, je peux retourner à ma Xbox. Et si... Non, on va pas, on n'a pas tenté. Si j'aurais pu essayer tout à traverser en bateau, mais non, non, non. Il y a trop de trucs sur la route. Non. On va retourner au... On va retourner à la planque. On va retourner à la planque. Ça va être plus simple. Ne faisons pas trop les fous. Faisons en sorte que l'histoire avance proprement. Mais ça, si jamais chez vous vous jouez à Far Cry 2, hein, n'hésitez pas à vous lancer parfois des défis comme ça. Vous allez être surpris. C'est un jeu qui vous emmène dans des galères pas possibles quand vous faites pas attention. C'est... En fait, si vous faites le jeu proprement, vous prenez pas trop de risques et tout, c'est largement faisable. Nickel quoi. Par contre, si vous voulez faire le fou et traverser des grandes. Faire des grands trajets et tout ça, le jeu il va vite vous rappeler. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, la mission du fort est terminée. Du coup, on va se retrouver au Max Bar. Voilà, donc là. Voilà. Ce sera à partir du... Voilà, à partir de cette maison, on peut aller tout droit. Voilà, il faut vous placer des repères. J'ai de nouveau eu l'impression qu'on me tirait dessus. J'ai de nouveau eu cette impression. On va juste vérifier. Et là, c'est un peu plus la nuit. Sauvegardation. Voilà. Du verbe sauvegarder. Ok. Voilà, on va au port. Non. Je vais faire comme ça. Ouais, c'est ça. Et un port des deux côtés. Voilà. On recharge la PKM, notre fidèle PKM. Hein, de nuit, c'est déjà moins voyage en bateau cool, tout ça. C'est déjà un peu plus, on va dire glauque, un peu plus, non pas glauque, hostile.
On sent tout de suite si là ça merde, il y aura personne pour nous aider, quoi. Alors que quand il y a le soleil, c'est une petite balade en bateau, ça fait plaisir. On voit bien le drift. Donc un petit drift. Voilà. Un peu lui couper des trop abusé. Voilà. Voilà. T'espérais te revoir. Aucune trace des documents? Trop dur. Quoi? Juste ça? On dit juste ça, gros dur, c'est tout quoi. Donc tu vas pas me dire ce qu'il y avait dans la mallette, ce que tu comptes en faire, tout ça quoi. D'accord, ok. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, tu demandes. Je suis partant. Ouais, non, là il n'y en a plus pour l'instant. Ok. Quoi de neuf? Ah ouais, flash. Ok. Ça fait plaisir de te voir. Pareillement, pareillement. Bon. C'est pas tout. Je vais aller à l'armerie, prendre des nouveaux flingues. On se regarde. Et on retourne à Palapala pour prendre une mission. La Dragunov, la PKM. Voilà. On va aussi faire le plein de grenades. Le thème molotov, j'utilise rarement. Je sais pas. Je suis pas particulièrement friand du cocktail molotov. Non. Ok. Il est pas là, le monsieur. Ok. Allez, on repart pour Pala, tranquillement. Ce sera bientôt la fin de l'épisode. J'ai mis le timer. Mais on a encore le temps, tranquillement, d'aller prendre la mission, d'aller à Pala, tranquille. Hop. Allez, c'est reparti. Il est bien planqué le Miles Bar en vrai. Sa petite crique là. En fait, il devrait carrément couper la route. Que les gens ne puissent plus venir chez lui que par l'eau. Ça, t'as plus qu'une seule entrée à surveiller. Et à mitrailler si quelqu'un vient. Parce que bon, si tu postes deux mecs avec des PKM et un mec vient avec une barre comme ça, bon ben il a aucune chance, hein. Ça c'est sûr quoi. Ok, on freine, on freine. On a une mission pour lui à faire. Ouais. Je me rends compte, la dernière fois, j'ai dit que je les aimais pas trop, ceux de la paix. Mais lui à faire, pas vraiment beaucoup plus, quoi. On s'arrête là. Ce sont les ordres. Je dois garder les armes. Ouais, vas-y. Mais tu me rends tout, moi. Parce que sinon je reviens et je goume toute la ville. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils vont raconter cette fois-ci? Ils parlent plus. Ils ont capté qu'au fur et à mesure je les écoutais ou quoi? Elle est bonne bouteille.
venez de remplir votre dernière mission pour la PR. Pardon ? Ce conflit avec la PR dure depuis beaucoup trop longtemps. Les deux camps l'acceptent, parce que on ne peut rien faire d'autre. Mais les choses ont changé, à cause de vous. L'UFLL est quasiment inarrêtable ici, même si le grand chef ne s'en rend pas compte. Alors, j'ai pris la décision d'éliminer Kouassi, et d'asseoir notre contrôle sur le Nord. J'apporterai la stabilité et la paix. Vous êtes seul sur cette mission. Kouassi est en ce moment au pavillon des chutes Goka, avec quelques gardes. Facile, il suffira d'une seule balle. Tous les deux, nous pouvons décider de l'avenir de ce pays. Facile, mais du coup, pourquoi tu le fais pas, mon ami? Ah, ouais. Samuel, Laporte. J'avoue qu'avec ces problèmes-là, avec la tête, ça doit être difficile de viser dans une lunette sniper. Je suis d'accord. Ok. On demande si on peut entendre, si est-ce qu'il parle. Non. Est-ce qu'on va avoir le coup de fil bientôt? Attendez, on attend un peu, juste quelques secondes. Non. Je pense pas qu'on va m'appeler. Radio chute, quota et abattre Kouassi. Kakumba m'a donné l'ordre de me rendre au refuge du chute quota sur le versant nord du mont Tambamo Laesta. Laesta. Et d'abattre Prosper Kouassi. Ok. Du coup, ce sera notre mission dans le prochain épisode. Pour ce, un petit like, un petit abonnement si ça vous a plu. N'hésite pas à partager pour le soutien, tout ça. Sur ce, moi je te dis, allez, tchou! Moi je me casse.